Eh bien bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo découverte de Deep Rock Galactique Survival, Survivor. Donc on va commencer une nouvelle partie, je le découvre en même temps que vous, on va faire les cavernes cristallines Crystalline pour caverns, commencer. here I come. Et à mon avis, on va avoir un petit tuto. As I want, Donc please. voilà, on peut avoir que le scout pour l'instant, il a des PV, de l'esquive, des chances de critique, des dégâts. Ok. Alors en classique, hein, pas le That's a choix. classic scout. On est Don't parti, mess with donc on va me. That's devoir your miner. Dreadnought. Ici, récupérer de l'XP et détruire les ennemis. Alors, à savoir que le tir est automatique, hein, je ne peux rien faire au niveau du tir. Donc voilà, je vais avoir des niveaux communs. Ici, augmente le niveau de cadence et du peu commun. Ouais, on va prendre ça. On va prendre l'XP un max. Ça, je peux rien faire sur les larves, malheureusement. Là, il y a des gemmes, on va les prendre. C'est du nitra. Et voilà, tout ce que je peux faire, c'est fuir parce qu'il attaque en automatique. On va faire des rechargements rapides parce que c'est vraiment ce qui nous a posé problème, c'est son rechargement. Ah, la balise elle est là-bas, on a une mini carte, mini map en haut à gauche. Donc je sais qu'on n'est pas limité dans le temps. Mais plus on va attendre, plus on va avoir d'ennemis, hein. Voilà, vous savez bien que j'adore ce genre de jeu. Voilà, augmente les soins reçus, octroie une faible chance de trouver de l'XP lorsque vous minez n'importe quelle sorte. Ouais, là, je vais prendre ça qui va augmenter mes PV max à chaque fois que je vais prendre un minerai rouge. Voilà, ça c'est bien. Tac, 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 tac. Augmente le niveau. On va augmenter le niveau plus de dégâts. Allez, on a quasiment fini la première map. On va bientôt avoir une nouvelle arme. On commence déjà à avoir des mobs un peu plus hard, hein. C'est de l'XP, on va le prendre. Tant pis si on prend des dégâts. Voilà, on est monté de level. Fusil de chasse, grenade ou... Hop, 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 4 directions. Fusil de chasse, hein. Donc on a une deuxième arme, et là c'est de la courte portée, et c'est du gros dégât en courte portée. Et on doit tuer l'élite maintenant. Et je rappelle qu'on est sur un premier niveau, et c'est pas forcément évident tout de suite, hein. Du rouge. Voilà, il y en a 30 secondes pour retrouver la capsule. Heureusement, ça nous est indiqué parce que sinon je sais pas comment je ferai. Allez, on y va tout de suite, tant pis pour les dégâts. Dial it in.
On a de l'épée quand on le prend, hein. Ok, dégâts critiques, ça m'intéresse. Vitesse de rechargement aussi. Pour mon arme de base. Voilà, et hop. On rentre. Et il va plonger au niveau suivant. Terminer le premier niveau, 5 minutes. Et donc là, les rouges... et les jaunes, c'est ce qui me permet d'avoir d'augmenter ici. Et on garde ce que l'on avait pour passer à l'étape suivante. Barre d'XP en dessous, comme vous le voyez. On a du rouge, on a vu qu'on avait besoin du rouge, hein. Ce qui va nous permettre d'avoir des bonus en fin de niveau. Mais ça commence à devenir hard, hein. À mon avis, on va pouvoir assister à une première mort bientôt. Alors, soit plus 30 de dégâts, moins 40 de tir, des tirs perçants. On met des dégâts de froid. Ah, ça permet de geler une partie, ça c'est bon. Il y a un chemin ici. Est-ce qu'il y a encore du rouge quelque part là-bas? Non, c'est de l'orange, c'est pas grave. C'est assez particulier de devoir se faire des trous comme ça dans la mine pour avancer, et j'aime bien. Sincèrement, c'est quelque chose que j'aime bien. Et là, on va se mettre dans un guet-apens. À mon avis, on ne survivra pas. Non, on est mort. Et voilà notre première mort, fallait s'en douter. Hein. Fallait s'en douter, donc on a une progression de la classe ici. Tac, tac, tac. Bon, on va faire continuer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Amélioration. Ah ben, je peux faire les améliorations directement avec ce que j'ai obtenu ici. Donc augmenter le gain d'XP, augmenter le rayon de ramassage. Bah, augmenter le rayon de ramassage, c'est intéressant. Je préfère que l'un des deux. Je vais prendre l'XP. Ok, et on est reparti. On est reparti, toujours en classique. Et on doit recommencer, donc c'est un try and retry, hein, l'air de rien, le jeu. Mais bon, maintenant, c'est un petit peu plus ce qu'il faut faire. On va augmenter, on va être plus dégâts que... comment, que cadence. Hein. La chance de critique, c'est intéressant, même si c'était du peu commun. Enfin, du commun. Ça, on a vu qu'on avait besoin à la fin du niveau pour dire d'avoir des bonus.
Too much crap to send in the supply pod. Clear out the LZ, please. Allez, on va tenter d'aller un petit peu plus loin cette fois-ci. Allez, écrase-moi tout ça. Voilà. Alors, de tac tac, gagne XP. Tac tac, je vais augmenter mes soins. Alors, la nouvelle arme. Bon, on va tenter la grenade. Hein. C'est vraiment ce qu'on avait eu comme problème, c'était d'avoir des énormément d'ennemis autour de nous sans pouvoir les gérer. Énormément d'XP à ramasser ici. Enfin, énormément. Il y a de l'XP à ramasser ici. Il faudrait que je retrouve le cristal. Il y avait un cristal de vie, il me semble, par ici. Voilà, on l'a récupéré. Ça fait du bien de récupérer un peu de vie au passage. Voilà, il est libre d'apparaître. Et c'est un autre élite que ce qu'on avait eu la première fois, me semble-t-il. On va le laisser courir un petit peu après nous. Ok, plus de dégâts, ça m'intéresse. En fait, dans ce type de jeu, on est obligé de kiter à chaque fois pour ceux qui ont l'habitude d'un MMORPG. C'était le terme utilisé quand on mettait un coup et puis qu'on foutait le camp, mais qu'on l'attirait à nous. Well done. Objective completed. Drop pod has arrived. Get there now. It will leave without you. Ok, je vais augmenter la vitesse de déplacement parce que j'ai l'impression que ça va être hyper utile pour la suite. Et si je continue à faire des dégâts en attendant de gagner de l'XP. Allez, ici on y va. On n'a plus trop le choix. 5 secondes. Alors, je vais augmenter les dégâts. Voilà, allez hop, on continue. On va miner plus vite. Ça devrait être top. Là, on a de la vie. Allez, donnez-moi de l'XP, s'il vous plaît.
The scanner just lit up like a Christmas tree. We got a swarm incoming. Et là, je suis en train de me coincer, hein. Too much crap to send in the supply pod. Clear out the LZ, please. Et on creuse. On se prend des points de dégâts, bien sûr. Sinon, ce serait pas marrant. Allez, mais tue-moi tout ça. Voilà, niveau supérieur. Allez, de l'XP, on prend. Alors, on sait qu'elle est ici, on reviendra après. Si ça nous est possible. En attendant, on a des semi-boss là à détruire. Voilà, on a fait un peu de passage ici, ça va nous permettre de récupérer tout ça. Et s'il y avait moyen de le libérer, ce serait bien. Voilà, il y en a l'élite. Voilà, faut qu'il recherche plus vite mon arme. Hein. Tant pis, c'est que 3%, mais on va le prendre. Ok. Fusil de chasse. Ouais, fusil de chasse, hein. Allez, on va sortir de là. Time's ticking, miner. Move it. Hop, désolé, j'ai fait un clic droit. Et du coup, je me suis pris des dégâts comme un neuneu. Ça, je prends. On va faire tout remplacer. Qu'est-ce qu'on a? Vitesse de rechargement.
Augmenter le rayon de ramassage. Vitesse de rechargement encore. Allez, on tente. C'est la troisième plongée, peut-être la dernière, si je me souviens bien. Alors moi j'adore ce type de jeu, sincèrement. Éviter de leur ouvrir la porte là quand même. Allez, il faut détruire pour survivre. La balise, elle est là. Ok. On va prendre ça pour gagner plus de points d'XP, plus de points de vie lorsqu'on prend un cristal rouge comme celui-ci. Bon, par où? Par là. Allez, tant pis. Prends un niveau quand même. Augmenter les dégâts. On va passer en... Ça va être plus de... Allez, on va essayer celui-ci. Aïe aïe, ça fait mal. Il me faut de la vie. Je suis trop bas en vie, il m'en faut. C'était pas assez. Alors je pense que la montée de niveau me fait récupérer de la vie aussi. Ça va rester à confirmer. Voilà, et là l'élite est arrivée. Allez, il y a moyen. Oh, le stress sur ce type de jeu, j'adore. On va augmenter notre résistance, hein, parce que...
Les aliens deviennent plus forts, c'est bien ce que je pensais lorsqu'on va rester trop longtemps dans une même zone. Et ça continue. Oui, ça n'arrête pas d'augmenter. Le problème c'est que l'élite j'aurais dû le garder au corps à corps et pas commencer à tourner avec les autres autour. Ouais, il faut que je tue l'élite. Faut que j'arrête de fuir, faut que j'aille franchement. Sauf que j'ai pas trop le choix. Et on n'est pas loin de l'avoir, hein, l'élite. Et une grenade bien placée, ils ont là. Hein. Ok, on a eu l'élite, on rejoint la capsule, on s'en fout de l'XP, on veut juste terminer le niveau. Sans mourir s'il te plaît, allez, il nous reste 6 points de vie. 6 points de vie, il y en est passé, waouh. Waouh, bah déjà ça sera tout soigné, hein. 50%, pas trop le choix. Ben ce fut chaud. Celui-ci, j'espère pas du tout le terminer, hein, je vous le dis franchement. Même si on est déjà à quasiment 30 minutes de vidéo, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie de continuer cette aventure. Alors j'espère que vous la continuez avec moi. Et là, on en a qui font des projectiles à distance maintenant, youpi. Vraiment, regardez à la, au terrain, je vais dire à la typologie, mais même si c'est pas loin de la typologie. Alors toujours la même chose pour chasser l'élite, hein, qui nous demande. Dwarves don't die,
Et je dois vraiment faire un parcours pour les éviter. Essayer de voir où il y a un trou pour y aller. Les emmener dans des pièges quelque part. Je trouve la capsule. Ouais, là. Je vais mourir. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo, je pense. Hein. Et voilà, la vidéo va se terminer là-dessus parce que je n'aurais pas su continuer. On va voir un petit peu ce qu'il mettait sur le 0 sur 3, voire à ce niveau-là, objectif secondaire débloqué. Ok. Nouvel artefact débloqué, la ceinture protectrice FRZ, je suppose que c'est Freeze. Le miode classique. Donc voilà, il augmente de niveau de classe. Il est 2, on voit un petit peu ce que j'ai fait ici. Continuer. Je peux faire des améliorations, ça c'est top. Parce qu'on va vraiment évoluer comme ça au fur et à mesure. Hein. C'est ça qui est vraiment bien dans ce type de jeu. Alors là, je peux acheter et vendre. Ok, mais ça, je verrai plus tard. Sur ce, ben, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Il y aura sûrement une autre vidéo sur ce jeu parce que franchement, j'adore. Allez, bisous, bisous, au revoir.